propose une lecture dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. Et à partir du verset 24. Allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. 24. On raconte l'histoire de deux Américains, non, un Américain, un Français et puis un Burkinabé. Ils ont échappé à un accident d'avion. Ils étaient dans le désert, ils ont marché pendant des jours. Ils arrivent dans un hôtel 5 étoiles. Mais ils n'avaient pas d'argent. Alors chacun a inventé un scénario. L'Américain est rentré, il a mangé, puis à la fin, il a provoqué un scandale. Ce qui fait que, pour avoir la paix, on a dit, bon, c'est bon, c'est bon. Le deuxième, le Français rentre, il mange. Lui aussi, à la fin, il crée un scandale. Il se fâche, et puis bon, le serveur a dit, bon, c'est bon, c'est bon. Or, c'est le même serveur. Le Burkinabé arrive et le serveur, il vient, il dit, les deux là, ils m'ont crié, j'ai eu deux clients ici, ils m'ont créé des problèmes. Ils ont mangé et puis ils n'ont pas payé et puis bon. Et... Alors le Burkinabé lui dit, mais dis-moi, où est mon problème dans tout ça? Va me rapporter ma monnaie. Va me rapporter ma monnaie. Il est tombé en syncope et il a quitté pour partir. Comme quoi, bien, la nécessité crée le génie. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole et de bénir le peuple de ta parole. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, amen. Veuillez vous asseoir. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est « La vision détermine l'issue finale ». La vision détermine l'issue finale. Moïse a vu. Il a vu grand. Il a vu loin. Parce que Moïse s'est situé quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Et cependant, la parole de Dieu nous dit qu'il voyait l'invisible, il voyait Jésus-Christ, il voyait toute l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, à cause de cette vision, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et il a accepté plutôt d'être maltraité avec le peuple de Dieu, ce peuple-là qui allait être dépositaire de la grâce de Dieu, dépositaire du Fils de Dieu, eh bien, c'est ce peuple-là, il s'est identifié à ce peuple-là parce qu'il voyait loin. Et sa vision a déterminé l'issue finale pour lui. C'est pourquoi nous voyons, nous savons qu'aujourd'hui, Moïse, il est parmi les sauvés. Et il en est de même pour tous ceux qui ont cru sans avoir vu, mais qui ont eu cette vision du Fils de Dieu qui allait venir, de la rédemption de Dieu, de la révélation de Dieu. Ils ont cru sans avoir vu, et la parole de Dieu nous dit que ces gens qui ont cru sans avoir vu, eh bien, ils sont heureux. Et Jésus lui-même dit, eh bien, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ils avaient une vision des choses, une vision de Dieu.
une vision des promesses de Dieu, et cette vision de la promesse, des promesses de Dieu et de Dieu a déterminé leur issue finale. Amen. Et c'est pourquoi, constamment, eh bien, la Bible pose des questions à des gens. Que vois-tu? La question a été posée à Jérémie. Que vois-tu? Et à d'autres prophètes. Que vois-tu? Et ce matin, j'ai envie de poser la question. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? La vision va déterminer l'issue finale. Ta position finale. La vision génère l'énergie pour le futur. Elle donne de l'espérance, un sens et un but. La vision, c'est le futur. On peut avoir la vue sans avoir la vision. Comme on peut ne pas avoir la vue et avoir la vision. Les hommes vivent sous le même ciel, comme on dit, sans avoir le même horizon. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras à quelques exceptions près. Ce que tu vois, c'est ce que tu peux avoir. Parce que tout vient de notre conception. Nous avons eu le temps d'échanger là-dessus. Tout est dans la tête. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir quelque chose qui n'existe pas. Tout existe. Maintenant, il faut que l'image que tu as dans la tête puisse se réaliser par la foi. Il faut une création mentale avant toute réalisation physique. Il faut une création mentale. Survie, succès ou différence significative, tout est question de vision. Le processus pour avoir la vision, nous dit Maxwell nous donne plutôt 6 étapes pour avoir cette vision. Pour entrer dans le processus, il nous donne une vision qui va déterminer l'issue finale. D'abord, il dit, il faut regarder en haut. Il faut regarder en haut. Moïse a regardé. Il a regardé à côté, tout autour, mais il n'a pas regardé en haut. Quand il a tué l'Égyptien, il a regardé tout autour, mais il a oublié de regarder en haut. La première des choses que Dieu nous demande, c'est de regarder en haut. Regarder en haut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est nous poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous avons dit que nous ne sommes pas un accident de l'histoire. Nous sommes une création voulue par Dieu, déterminée par Dieu. Personne n'est ici parce qu'il est venu par hasard. Au contraire, Dieu nous a créés avec un but bien précis. Un but bien précis. Une raison propre à la divinité. L'histoire de la révélation est marquée par une relation qualitative, individuelle, entre Dieu et justement l'individu. Les individus qui connaissent leur Dieu savent ce qu'ils désirent et abondent dans le même sens. Ce n'est jamais, au départ, un mouvement de masse, cela le devient à la suite. Quand l'individu a la vision, il est généralement esselé. C'est lui qui a la vision. Et après, les gens viennent parce qu'ils voient qu'il a la vision. Et ils viennent parce qu'ils savent qu'il a reçu quelque chose. Et se dit, ce type-là, il est dépositaire de quelque chose de particulier. Allons avec lui. Parce que nous allons bénéficier de ce qu'il a reçu de spécial. Mais au début, la vision a toujours été une histoire d'individu. Abraham a reçu la vision. Quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je vais te montrer, et qu'Abraham est parti, et puis bon, l'autre a vu que, ça peut être rentable, donc l'autre aussi a entraîné sa famille, mais comme l'autre n'avait pas la vision, il s'est arrêté en chemin. Ou plutôt, il avait une autre vision des choses, c'est pourquoi il a choisi
eh bien, la ville. Il s'est installé dans la ville, alors que Dieu voulait qu'il s'installe dans les montagnes. La vision, elle est individuelle. Le don de Dieu pour moi, c'est mon potentiel. Mon don à Dieu, c'est ce que je fais de mon potentiel. Les grandes visions dépassent les hommes qui les ont eues en perspective. Les grandes visions dépassent les hommes qui les ont eues. Amen. Si vous voulez que votre, être dépassé, entrer dans l'histoire, en tout cas l'histoire de la révélation, il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Et vous attendre à Dieu pour que cette réalisation-là, et vous-même, au crépuscule de votre vie, que vous puissiez vous asseoir et dire, vraiment, cette vision me dépasse. Elle me dépasse. Et je crois que cette vision nous dépasse. Amen. Quand nous allons intégrer ce temple-là, on va se dire, au début, personne n'y pensait. Personne n'y pensait. Et maintenant, c'est devenu une réalité. Elle nous dépasse à la gloire de notre Dieu. Amen. Connaître Dieu et sa volonté cachée pour moi, accroître au maximum mon potentiel, ensemencer les semences qui profiteront aux autres, voilà en quoi consiste le fait de regarder en haut pour recevoir de Dieu, eh bien, cette vision nécessaire, ce mouvement, ce contenu nécessaire. Donc, regardez en haut. Ensuite, deuxièmement, regardez en soi. Que ressens-tu? On dit que Rockefeller a commencé avec un salaire de 6 dollars par semaine. C'était pas grand. Jules César était épileptique. Platon était bossu. Mais ce sont des gens qui ont refusé leurs conditions physiques. C'est vrai, ils ont regardé en eux-mêmes, ils ont vu ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient. Mais ils ont refusé de croire à ce qu'ils avaient, à ce qu'ils étaient. Ils ont osé faire autrement les choses. Ils ont osé penser autrement. Ils ont osé agir autrement. Il y avait en chacun d'eux, eh bien, une flamme qui leur a permis de surmonter leur handicap. Et cette flamme-là les stimulait jour après jour en disant, tu peux être autre chose. Tu peux faire autre chose. Tu peux être quelqu'un d'autre. Ne te contente pas de ce que tu es. Ne te contente pas de ce que tu as. Mais plutôt, eh bien, fais quelque chose pour changer ta situation. Parce que tu n'es pas condamné à être ce que tu es. Amen. Amen. Et ce matin, je suis content que nos deux frères soient là. Eh bien, ils vont aller aux Jeux Olympiques. Ce que personne d'entre nous, en tout cas, aucun d'entre nous ne peut aller. Personne. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont osé croire contre nature. Ils sont handicapés, mais ils ont pensé que leur handicap ne doit pas être un obstacle pour eux, pour ne pas être avec les grands. Et ils le sont. Et ils le seront avec les grands. En tout cas, ils verront Londres. Moi, j'ai vu Londres, mais il y a beaucoup qui n'ont pas vu. Ils seront là. Parce qu'il y a une vision qui dit, eh bien, que ressens-tu? Qui es-tu? Vas-tu te contenter de ce que tu as, de ce que tu es? Ou bien vas-tu compter sur la grâce de Dieu pour changer ta destinée, ton avenir? Et comme nous l'avons dit l'autre jour, est-ce que ton futur a un avenir? Si tu veux que ton futur ait un avenir, il te faut capitaliser ton futur, le transformer en autre chose. Alors ton futur aura un
à venir. Les grandes visions ont des petits commencements intérieurs. Les grandes visions ne sont pas nées du jour au lendemain. Il y a un petit commencement. Et la Bible nous dit de ne pas négliger les petits commencements. De les apprécier. Chéris ta vision, tes visions et tes rêves comme les enfants de ton âme. Ça sera la marque de ton ultime réalisation. Amen. Chéris ta vision. Si tu l'as, il faut la chérir. Il ne faut jamais l'abandonner. Il faut l'encourager. Il faut l'alimenter jour après jour. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Parce qu'il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les grandes. Amen. Et le Seigneur te dit ce matin, à partir de toi, je peux faire de grandes choses si tu es disponible. Si tu es disponible et si tu me laisses agir dans ta vie, je vais faire de grandes choses. Nous ne sommes pas programmés pour les petites choses. Nous ne sommes pas programmés pour nous contenter des Ismaël. Nous sommes programmés pour avoir les Isaac. Amen. Amen. Ce qui est surnaturel et non pas ce qui est naturel. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes programmés pour le surnaturel, pour étonner les gens et non pas pour nous confondre aux gens. Amen. Amen. Troisièmement, regardez derrière soi. Qu'as-tu appris? Avec le temps, qu'est-ce que tu as appris? Les leçons du passé nous servent de tremplin pour les réalisations du futur. La vision a besoin d'expérience. Considère le chemin parcouru. Certainement, tu as perdu des batailles, mais tu n'as jamais perdu la guerre. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments d'échec, mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à partir de là, on peut vraiment se projeter. C'est ce que Ruth a fait. Naomi a fait plus tôt. C'est ce que Jérémie a fait. Et c'est ce que tant d'autres, comme David, il a fait quand il est revenu à Siclag et qu'il a trouvé la ville brûlée. Eh bien, tout le monde parlait de lapider David. Et David même était découragé. À un moment donné, la Bible nous dit que David reprit courage dans le Seigneur. Amen. Heureux ceux qui ne perdent jamais courage. Heureux ceux qui peuvent reprendre courage. Parce qu'on dit qu'on ne mesure pas la valeur d'un homme à ses succès, mais c'est à sa façon de gérer ses échecs. À la capacité qu'il a de gérer ses échecs. Si tout marche bien, vous n'êtes pas un homme. C'est quand il y a des difficultés. C'est quand il y a des échecs. Comment remonter en surface? C'est là qu'on voit la différence entre les hommes. Et surtout la différence en matière de foi. Donc, considère ton passé. L'adversité t'a formé. Dieu a plus besoin de vases brisés pour les besoins de l'heure. Et comme j'aime à le dire, Soren Kierkegaard a dit, tout ce que Dieu a créé, il a créé à partir de rien. Et tout ce que Dieu veut utiliser, il commence à le réduire à rien. Et c'est ce fait de nous réduire à rien qui ne nous plaît pas. Et cependant, eh bien, c'est un passage obligé pour que nous puissions être à l'image de Dieu et que nous puissions employer les moyens de Dieu. John Kennedy disait, pardonne à tes ennemis, mais n'oublie pas leur nom. Je ne dis pas de dire je te pardonne, mais n'oublie pas que je t'ai pardonné. Mais ça y ressemble. N'oublie pas leur nom. Pour que tu prennes les dispositions, que en tout cas, pas les mêmes personnes, les mêmes choses ne t'arrivent plus. Quatrièmement, regardez autour de soi.
Que se passe-t-il chez les autres? Émulation et non compétition. Émulation et non jalousie. Émulation et non copie conforme. Quand nous voyons, chez les Mosées, on dit que c'est quand tu vois quelqu'un danser bien, c'est ça que tu imites. Parce que, comme le disait Kizervo, bien c'est la période où on se cache pour imiter des gens. N'est-ce pas? Quand on voit quelqu'un danser, on se cache et puis on essaie d'imiter. C'est l'émulation. On veut être comme lui, sans vouloir le déposséder de ce qu'il est ou de ce qu'il a. On veut simplement peut-être employer les mêmes moyens pour arriver au même résultat. Si les autres bougent pendant que nous sommes immobiles, nous allons certainement fermer la marche. Si les autres marchent pendant que nous sommes immobiles, il arrivera un moment où nous serons derniers. Nous allons fermer la marche. Bougeons avec les gens. Bougeons avec tout le monde. Mais en employant des moyens et des méthodes propres, clean, comme on dit, dans le Seigneur. Sans envier qui que ce soit, mais en étant stimulé par tout le monde. Si je vois une idée qui est bonne chez quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi? Parce que de toute façon, la science n'a pas de patrie. Et la sagesse n'a pas d'âge. Et les bonnes idées, eh bien, elles n'appartiennent pas au passé. Les bonnes idées, elles appartiennent à tout le monde et sont valables en tout temps. Donc, quand je vois, eh bien, j'essaie de copier pour mieux faire. Jésus avait posé la question, dans la parabole, la question a été posée au serviteur qui était là. Il a dit, pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Ne rien faire, c'est ne rien être. C'est le faire qui détermine l'être humain. Ne rien faire, ce n'est rien être. On dit que le succès commence par là où on est. Faire ce que tu peux avec ce que tu as, là où tu es. Voilà le succès. Mais attendre, les rêveurs attendent les grands moments. Et malheureusement, on ne se lève jamais. On ne se lève jamais. Commençons avec ce que nous avons. En regardant ce que les autres font. Et nous aussi, nous allons bouger avec les autres. Et non pas laisser les autres bouger sans nous. Regardez devant soi. Que vois-tu? Vois-tu, comme les disciples, à la multiplication du pain, des problèmes? Le potentiel insuffisant ou la toute-puissance du maître? Que vois-tu? Que vois-tu devant toi? Il y a des gens qui ont peur, une peur imaginaire. On a peur du lendemain, on a même peur du succès. On a peur de réussir parce qu'on ne sait pas gérer la réussite. Et on a peur aussi d'échouer parce que l'échec fait mal. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Donc, c'est à nous de choisir. On peut avoir, on peut voir rien que des problèmes. Monsieur problème ou madame problème. Toujours des problèmes. Mais on peut voir aussi, eh bien, le potentiel insuffisant. Cependant, ce potentiel insuffisant, en fait, c'est Dieu qui nous fait une avance. Amen. Le potentiel insuffisant est une avance, pas une avance de salaire. Une avance pour que nous puissions commencer quelque chose, pour que nous puissions démarrer quelque chose. Les Anglais appellent ça un down payment. On te fait une petite avance
pour que tu puisses démarrer. Ensuite, on va t'appuyer avec toute la somme qu'il te faut. Amen. Difficulté ou opportunité, faisons de la récupération. Soyons des hommes et des femmes déterminés. Que rien ne décourage et que rien ne peut décourager. Quand nous avons la vision, il nous faut la détermination pour la mener jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup qui ont eu, des visions, mais qui se sont arrêtés en chemin. Et qui n'ont pas réalisé la vision. La vision sans la détermination conduit inévitablement à l'échec. Mais la vision avec la détermination. Et ici, quand nous parlons de détermination, c'est la foi. Une foi profonde qui ne se laisse pas décourager par quoi que ce soit. C'est ce qu'Abraham avait comme foi. C'est pourquoi Dieu l'a félicité malgré ses erreurs, malgré ses doutes. Eh bien, il voyait. Et Moïse avait cette foi. Il voyait loin. C'est pourquoi il ne s'est pas laissé décourager par les éléments du prêt. Ne nous laissons pas limiter par le prêt. Ce qui nous entoure souvent, eh bien, ne nous fait pas avancer. Voyons au-delà et réalisons ce au-delà. Sixièmement plutôt, regardez à côté de soi, quelles sont les ressources disponibles? Quelles sont les ressources disponibles? Que ce soit des ressources humaines, spirituelles, matérielles, financières ou autres. Quels sont les moyens mis à ma disposition? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Comment je peux travailler avec ce que j'ai? Comment je peux démarrer avec ce que j'ai? Beaucoup ont démarré pas mal de choses avec très peu. Comme nous l'avons vu, Rockefeller avait 6 dollars par semaine. Mais il a démarré. Il a démarré et les choses sont venues petit à petit. Je connais quelqu'un, personne n'est pas là ce matin, mais sa femme est là, qui a démarré son maquis. Au début, ce n'était pas un maquis. Mais il a démarré avec deux cassettes vidéo. Et puis, rien. La chambre, la maison louée, il n'y avait pas d'électricité. Mais aujourd'hui, c'est devenu un maquis, fonctionnel. Mais il a démarré avec très peu de choses, en comptant sur Dieu. En comptant sur Dieu. N'attendons pas les grands moyens pour faire les grandes réalisations. Autrement dit, l'élément foi est absent. Mais c'est quand nous commençons avec les petits moyens et que nous voyons Dieu vraiment bénir et accroître, c'est là qu'on se rend compte que, eh bien, Dieu était dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. On revient toujours à ce principe. La culture de l'insuffisance fait que nous disons, je ne peux pas. L'afro-pessimisme fait que nous disons, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien. La vie appartient à ceux qui osent, qui prennent des risques, qui sont des aventuriers de la foi. Et ces gens-là reviennent avec des cris de joie. Celui qui porte la semence en pleurant revient avec des gerbes et il revient en action de grâce. Je voudrais conclure en disant, rétrogradez,
C'est perdre la vision. C'est croire qu'il n'y a rien dans le futur. Si comme Élie, le diable vous a amené à perdre la vision, comme Pierre, il faut recapturer cette vision. Pierre avait perdu la vision. Et pourquoi il est retourné à ses filets? Et puis quand Jésus est venu, et que Jésus a opéré cette pêche miraculeuse encore, Pierre s'est souvenu de la première pêche. Il a dit, c'est Jésus-là. Cette vision que j'avais perdue de lui, il faut que je recapture cette vision. Et bien, il est revenu à Jésus. Et il a été un disciple entre les mains de Dieu pour réaliser des choses. Une vision exécutée sans vision est une corvée. Une tâche exécutée sans vision est une corvée. La vue sans la vision est la pire des cécités. La vue sans la vision est la pire des cécités. Et Dieu nous donne de voir loin. Amen. Amen. Dieu nous donne de voir loin. Ne nous contentons pas du peu que nous avons. Ne nous contentons jamais de notre situation. Parce qu'il y a toujours de la place. Le disciple que Jésus aimait, c'est le disciple qui a fait beaucoup d'efforts et qui ne s'est pas contenté d'être parmi les 70 ou d'être parmi les 120 ou d'être parmi les 12 ou d'être parmi les 3. Mais il s'est dit, il y a une place unique, il faut que moi j'occupe cette place unique-là. Amen. Amen. Ne nous contentons pas du peu. Le mieux est l'ennemi du meilleur. Allons toujours de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui fait bon à ton service?